aujourd'hui pour faire un book haul. Attendez, je leur dis. On vous retrouve aujourd'hui pour faire un book haul. C'est bon, vous avez intégré ou... Ouais, c'est bizarre. On sait, ça fait longtemps. Bah, ça fait longtemps. Et il y a eu des dans ma palle, donc on était en mode, est-ce que les book hauls vont revenir? Et pas. Je ne sais pas. Du coup, la conclusion est oui, puisque jadis, ça vous plaisait bien. Donc on va voir si c'est toujours le cas, tout simplement. On va essayer, mais bon, elle achète tellement plus de livres que moi, que bon, vous allez me voir à côté en mode potiche. Pas aujourd'hui, mais les autres jours. Bah, ça arrive souvent, ouais. Enfin, ça arrivait souvent. Et ça arrivera beaucoup plus, parce que t'avais pas de salaire à l'époque. Oui, mais j'en ai toujours pas. C'est vrai. Haha. Bref, donc, pour commencer direct, parce qu'on a quand même une vingtaine de livres à vous présenter, si on s'y met pas, ça va être longuet. Mais du coup, je précise quand même... pour te couper un petit peu, ouais. Que moi je ferais quand même un dans ma palle, je pense, parce qu'il y en a que j'ai depuis plusieurs années et qui sont toujours là, donc je ferais quand même un dans ma palle. Bon, sinon, si vous trouvez qu'on a des gueules de Power Rangers, n'hésitez pas à le dire, on est d'accord. Non, moi j'ai fait différentes couleurs sur mes yeux, donc je suis pas une couleur seulement. Mais même moi non plus, techniquement, vraiment, ça c'est pas la même couleur. C'est vrai. D'ailleurs, spéciale dédicace à Pikiti pour les serre-têtes. Ah, c'est Pikiti? Oui. Moi je savais pas. Voilà, je pensais que t'avais eu ça dans une box. Non. Du coup, tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Ouais. Tu l'as acheté pour acheté moi? Comme j'ai acheté le chouchou. Attends, tu l'as acheté pour moi? Tu l'as acheté pour moi? Bah, je me suis acheté les miens. Et du coup, je me suis dit que je t'achèterais les tiens. Oh, c'est tellement mimi! Mais elle m'a même pas dit que c'était payé. Que... Mmh, oh, ça y est, les moustillages. Elle va faire couler son maquillage. Bah, j'espère pas. Oh, j'ai pris 3 heures à le faire. J'espère pas. Non, bah, du coup, j'ai mis 20 minutes, mais j'allais être en retard à cause de ça. Je suis sûre que t'allais m'engueuler. Oui. Parce que du coup, j'étais en train de faire le premier œil quand t'es venue. J'étais en mode, on va se dépêcher. Ah, c'est pour ça qu'il y en a un qui est moins fait bien que l'autre. Ok. Non, j'arrive toujours moins à faire celui-là. Ça se voit? Mais non, je t'emmerde exprès. Oui, mais souvent ça se voit. En plus, j'avais trop peur que t'arrives parce que j'avais du scotch sur la gueule. Et je me suis dit, putain, elle va arriver, ça me fasse foutre de ma gueule. Oh, oui. Oh, oui. Parce que du coup, tu sais, j'avais l'œil comme ça. Alors, okay. Nous commençons avec Ombre et Mystère, le tome Envoûté. Donc c'est le premier tome de la série. Pour le moment c'est une trilogie, je sais pas si c'est fini ou non, mais j'ai regardé et c'est une trilogie. Je vous l'ai présenté en update solo. Il y a genre, bah, pour moi je l'ai posté hier. Donc pour vous je sais pas. Nous on sait pas. Mais là je l'ai posté hier. Et donc c'est de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc c'est l'histoire d'une infirmière qui change totalement de lieu de travail puisqu'elle va travailler chez un particulier, on va dire, dans une famille très très riche. Elle savait pas que c'était chez eux d'ailleurs qu'elle allait travailler. Oui, argent. Et mais donc, je fais l'imagerie de l'autre côté. Oui, c'est une bonne idée. Donc elle va dans un manoir. Ah non, mais je vais devoir le faire. Un manoir hanté. Donc... Franchement, si je parlais LSF, je vous aurais bien signé tout ce qu'elle raconte. Mais oh, de ouf, ça pourrait tellement, on pourrait tellement avoir un plus grand... En fait, les gens sous, ils mettent des sous-titres, juste. Cette vidéo sera longue et vous aimez ça, on le sait. Du coup, elle va travailler dans une sorte de manoir qui paraît hanté parce qu'elle entend des pas, des choses étranges, etc. Il y a aussi de la romance avec les frères de Vincent qui sont séduisants, riches à outrance. Enfin, voilà. Famous cousin de Vinci. J'avoue, ça se ressemble. Du coup, elle rentre dans ce manoir, il y a de la romance. Moi, quand je l'ai... Elle rentre dans le manoir et là, oh, de la romance. Yes. Ah non, mais du coup, je l'imagine. Waouh. Ah, c'est merveilleux, des petits papillons et des étoiles. Et donc, voilà, il y a de la romance. Moi, quand je l'ai lu, j'étais assez partagée entre est-ce que c'est du contemporain ou est-ce que c'est avec du surnaturel. Et on l'apprend quand même à la fin si c'est du surnaturel ou du contemporain. Mais jusqu'au bout, j'étais en mode alors, est-ce que du coup, on est censé prendre ça au sérieux ou se dire oh non, mais elle est complètement barge celle-là. Mais c'est ça qui est bien, j'en ai un aussi, Les Amoureux de la Lune. Et pour ça, je le dis pas, parce que j'aime bien ça, ne pas savoir ce que c'est. J'en ai un autre qui est comme ça, Les Amoureux de la Lune, dont le principe c'est que. En gros, enfin je le fais vite hein, parce que c'est pas dans le book haul, mais la meuf rencontre un mec qui ne sort que la nuit. Donc elle est en mode, c'est un fucking vampire? Ou pas? Ou on se rencontre juste la nuit et il a une copine le jour quoi. Ouais voilà, ou ce genre de truc en mode tout... Il est bien normal.
Oui, il est pas mal. Moi, j'ai acheté dernièrement The Silent Waters de Brittany C. Cherry. Merci, Lorine. Aux éditions Hugo Poche. Tu sais de quoi ça parle, au moins? D'eau. Donc, non, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est le troisième tome de la saga The Elements. Donc, c'est des romances autour des éléments. Moi, je peux faire un résumé si vous voulez. Oui, mais non, parce que moi, je le veux pas. Donc, en fait, désolé les gens, mais vous ne l'aurez pas. Puisque Laurine les a lus il y a un moment en grand format. Moi, j'avais le 2 dans ma palle pendant 3 plombes. Ouais, je l'ai lu il y a pas longtemps, du coup, je me suis dit... Elle l'a lu pendant le confinement. Bon, bah, je suis triste, j'en ai plus dans la palle. Je vais en remettre un autre. Bah oui. Du coup, voilà, je sais pas ce que c'est pas grave. C'est une romance adulte. Est-ce qu'il y a du cul? Ouais, il y a un peu de cul dans cela, mais franchement, c'est pas excessif si vous aimez pas non, ça. C'est juste un peu. C'est bon, c'est raisonnable. C'est pas le cul pour le cul, quoi. Je sais plus si tu l'as dit, mais du coup, il y a 4 tomes et à chaque fois, c'est avec des personnages différents dans des situations différentes qui n'ont rien à voir. Alors, juste, oui, j'ai pas dit qu'il y avait 4 tomes, mais j'ai dit que c'était par rapport aux éléments, donc. Ouais, mais le 6ème élément, c'est après le 5. Oui. Et le 7ème, c'est après le 6. Oui, on avait compris. Ouais, mais lui, quand même, faut pas pousser mémé. D'accord, on va s'arrêter là. Ensuite, les variations de Lucie. Donc... On arrive à se recentrer à une vite. J'arrive à me concentrer très rapidement. Mm-hmm. C'est de Sarah Zahr. Zahr. Bizarre. Édition Bayard. Donc c'est comme dans les trucs, là. Tu mets bi devant et ça fait bizarre. Oui, mais j'avais compris. Hein. Le monde avait compris. Je sais pas de quoi ça parle. Bah, je pense que ça parle de musique, au pif. Ça parle de piano, de répétition, de récital. D'ailleurs, ça me fait bizarre, moi j'aurais dit récito. Du coup, c'est récital. D'accord, on est ravis de l'apprendre. C'était toute la vie de Lucie jusqu'à ses 15 ans. Jusqu'au jour, lors d'un festival de musique, à Prague, elle a décidé de quitter la scène sans avoir joué une note. Gros plot twist. Petit prodige du piano, adulée pendant toute son enfance, elle est désormais une lycéenne comme les autres. Avec l'aide de Will, le jeune prof de piano, avec de son l'aide petit de frère, Lucie va essayer de trouver sa voix, loin des projecteurs. Oui, mais c'est écrit comment? V-O-I-X ou V-O-I-E? V-O-I-E. Oh. Mais au plus près de ce qu'elle désire, vraiment. Bon, bah voilà, on me l'a offert pour mon anniversaire, mais 6 mois après. Mais... Chut, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est un cadeau d'anniversaire. Je n'en veux pas. Mais du coup, je savais pas de quoi ça parlait, du coup je vous ai lu la 4ème de couverture. Maintenant elle sait de quoi ça parle. Et maintenant je sais de quoi ça parle et vous aussi. Du coup, c'est merveilleux. Peut-être qu'il va sortir de ma palle. Ta ta ta. Incroyable mais vrai. Faut qu'on regarde tout ça du même côté en mode oh, qu'est-ce qu'elle regarde. Le mur. Plot twist, c'était un mur. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas la moindre idée du synopsis de ce livre. Yes, on adore. Pourquoi on fait des boucles quand on sait même pas de quoi il parle? Bah c'est elle, elle a voulu qu'on reprenne les boucles. Moi je suis d'accord sur le principe, mais moi je sais plus de quoi ça parle du coup. Ok, dites-nous si vous voulez vraiment qu'on reprenne les boucles, parce que ça se trouve vous voulez même pas. Donc, c'est de Jean Aiglan. Dans la forêt, alors, ok, moi je vais faire le... Non, non, non. Alors, c'est un thriller. Non. Une petite fille qui se perd dans la forêt. Mais elles sont deux sur la couverture. J'ai pas vu. Et donc, elles se perdent dans la forêt et toute la police se met à leur recherche. Et en fait, il y en a une qui tue l'autre et elle la mange. Et voilà. Laurine, elle vous a pas fait le synopsis, elle vous a fait tout le résumé. Elle a tout raconté. Ah non, ça c'était le début. Ah. Après, l'autre fille, elle va se débrouiller toute seule. En fait, elle découvre qu'elle est enceinte de l'autre. Ah. Ouais. Comment elle a fait? Chut. Absolument pas, mais je sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est du post-apo. Voilà. Je me rappelle juste, c'est du post-apo, que je l'ai pris à la suite d'un avis, mais arrête, à la suite d'un avis de Margot Liseuse, et qu'il n'y a pas si longtemps, sur Livre Addict, ils en faisaient leur bouquin du mois, et où ils en discutaient tous ensemble en mode lecture commune du mois. En tout cas, ça a l'air court. Ça pourrait être bien si autant de gens l'ont lu. Et ça a l'air vachement court. Court? J'aurais pas dit court. Ah si. 300 pages. Oh, il fait 300 pages. Je croyais qu'il était plus... Bon, voilà. En plus, c'est en poche. Du coup, bref, dans la forêt, il y a deux nanas qui se tiennent la main, j'en sais rien. Mais j'aime bien la couverture, elle est très sympa. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Briard Université. J'ai toujours envie de dire University, mais c'est Université. Donc c'est The Play, et c'est toujours de Elle Kennedy, collection Hugo Roman, collection New Romance. Moi j'adore l'association de couleurs turquoise jaune. C'est tout. Et donc,
J'ai déjà les tomes 1 et 2, je les ai déjà lus, vous les avez déjà vus. J'ai du coup acheté le troisième que j'ai pas encore vu. Je sais même pas de quel personnage c'est parce qu'à chaque fois ça change de personnage, vous savez. Et donc c'est une sorte de série parallèle. C'est dans le même monde, on va dire, même si c'est du contemporain. À la série The Goal, etc. avec les joueurs de hockey là. Et donc voilà, c'est dans le monde du hockey, etc. Ok. Et à l'université, du coup, jeune de 20 ans à peu près. Romance, et puis voilà. Tout ce qu'aime Lorraine, quoi. Puis ils sont vraiment, vraiment bien. Elle Kennedy, elle a fait de bonnes romances, je trouve. Il faudrait que je lise d'autres romans d'elle parce que bah, ça fait vraiment partie de mes préférés. Pas cette série qui est parallèle, mais vraiment la série bah, The Goal. Attendez. The Deal, The Mistake, The Score et The Goal. Voilà les 4 tomes avec chacun un des hommes qui habitent ensemble à chaque fois. Voilà, je préfère l'autre série, même si bah, c'est pratiquement la même chose. J'ai plus accroché au personnage masculin. Mais cette saga est aussi très bonne. Ce qui n'est pas cohérent, puisqu'elle a ceux-là en grand format et les autres en poche. Mais les autres, je les ai jamais vus en grand format. Alors qu'eux, ils viennent de sortir, donc ils sont pas encore en poche, en fait. Oui. Du coup, voilà. Vieux aussi. Et puis c'est bien, ça fait du jaune dans ma bibliothèque jaune. Là, je passe jaune dans ma bibliothèque rainbow. Mais j'avais pas encore du rainbow quand je l'ai acheté. On peut pas dire que je suis superficielle, d'accord? Moi j'ai acheté le tome 3 d'une série, donc je peux vous faire le résumé. Bref, même Laurie n'a pas vous faire le résumé parce qu'elle a lu le premier tome, je crois. Et le deuxième. T'as lu le deuxième aussi? Oh ouais, même si j'aime pas. Bah oui, c'est pour ça que je suis con. Mais j'ai lu pas, le deuxième. T'as pas aimé, t'as quand même lu le deuxième. Alors, je vais peut-être lire le troisième aussi. Big up aux effets lumineux. Hein, regarde. Comme quand tu mets de la lecteur et que tu bouges et qu'il y a des paillettes. C'est une chaîne booktube, pas une chaîne mode beauté, d'accord? Ouais, mais elles aiment bien mes maquillages. Bref, oui, elles ont l'air d'apprécier. Maudite Vengeance, qui est donc le tome 3 de Maudit Cupidon. Je vais faire la partie après. Je sais plus, elle a un nom imprononçable. Lorraine Palfreyman. Heureusement que je l'ai jamais dit. Oui, hein. Aux éditions Hachette. Le petit aparté, c'est que sur le dos, il y a écrit Maudit Cupidon sur les 3 tomes. Ce qui n'a aucun sens à mes yeux. Avec Laurine, on croyait que le deuxième tome, quand il y avait écrit Maudit Cupidon, c'était qu'ils étaient mal édités. Mais non, c'est sur tous les bouquins et sur le troisième tome aussi, donc on comprend juste pas le délire. Bah, ils ont écrit le nom de la saga sur les dos et celui. Oui, mais il n'y a pas le numéro en fait sur le dos. C'est-à-dire qu'il aurait écrit Maudit Cupidon 3. Mais bah, tu sais par rapport à la couleur. Donc oui, mais quand tu connais pas la série, du coup tu sais pas par lequel tu commences. Genre même sur le devant, il n'y a pas écrit. Ah, j'avoue. Il y a écrit nulle part que c'est un tome 3. Derrière, t'as juste dans la même série, mais tu connais pas l'ordre en fait derrière. Donc moi j'ai eu la chance, je les ai lus au fur et à mesure de la sortie, mais C'est... Attends, ah non, c'est lui le premier quand même. Ouais. J'ai cru que c'était l'inverse, et du coup non. Je me dis, oh là là. Maudit Cupidon, Maudit Valentin et Maudit Vengeance. Bref, donc pour le synopsis, il s'agit de, je sais pas son prénom, tu t'appelles pas Laura ou un truc du genre? M'en branle. Super. Youpi. Donc une héroïne qui va être un peu harcelée par une... je sais pas comment ça s'appelle. Une agence matrimoniale qui sera en mode « Oui, on a trouvé votre match, venez nous voir à notre agence, blablabla. » Et elle en a tellement marre de se faire harceler parce qu'elle en a rien à foutre, elle a déjà un mec. Elle arrive, elle débarque en mode « Vous allez arrêter de me péter la couille !» Et ils vont être en mode « Bon, alors normalement, on devrait pas vous dévoiler ça. » Mais en fait, tout le monde est dans notre agence matrimoniale, qu'il le veuille ou non, parce qu'en fait, nous, on est un peu les divinités du game. C'est-à-dire qu'on descend et on est un peu les sous-fifres des divinités grecques. Et en fait... Le problème, c'est que vous avez été matché avec Cupidon. Genre, le THE Cupidon. Cupidon. Et normalement, il devrait pas être dedans. Donc, il devrait pas pouvoir être matché avec qui que ce soit. Donc, c'est un petit peu problématique, voyez-vous. Voilà. Et c'est comme ça que démarre le truc. Donc, c'est de la romance et de l'action. Un peu tout ce que j'aime. Vous me direz, avec en plus une base de mythologie. Que dire de plus? Mais Laurie n'a absolument pas aimé. Voilà. Elle, oui, moi, non. Donc, moi, j'aime beaucoup. Après, c'est pas le meilleur roman de l'année, hein, mais je trouve que ça passe bien le temps et il se lit très vite. Ouais, ça se lit très vite, c'est léger, bon, voilà. Et puis, mythologie grecque, évidemment. Ensuite, que je t'ai déjà aussi présenté en... Ah, je crois que tu voulais roter. Ouais, je sais. Je fais des matchs. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est fabuleux. Est-ce qu'on parle de cette pose de pouf, là? Elle est un peu experte en la matière, je crois. Alors, je vous l'ai déjà présenté en update dans le même que celui où vous avez présenté Jennifer L. Armentrout. Donc celui-là, c'est Love and Other Worlds de Christina Loren aux éditions Hugo Roman Collection New Romance.
Donc, c'est une femme qui retrouve son amoureux de jeunesse d'il y a genre 15 ans. Maintenant qu'elle est fiancée, donc elle va se marier, c'est pas du tout le moment. Ça pue le cul. Elle le voit maintenant. Du coup, elle veut absolument pas le voir parce que apparemment ça s'est très mal fini. C'est son meilleur ami, amoureux, enfin genre vraiment la best romance. Et donc on alterne entre leur passé, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis ensemble, etc. Et le présent, I guess. Et donc entre le passé et le maintenant, est-ce que du coup elle va lâcher son fiancé? Est-ce qu'elle va retourner dans ses bras? On ne sait pas. Voilà. Peut-être dans ses jambes. Bref, moi je vous présente le tome 2 d'Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand qui s'appelle Le Crépuscule du Monde aux éditions Bragelonne dans la collection Big Bang. Merci Laurine. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que c'était une réédition, qu'en fait ça faisait longtemps que c'était sorti. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc ceci est le tome 2. Bref, c'est dans le futur, c'est du post-apo puisqu'ils vont vivre des catastrophes naturelles. Donc les Australiens, un tsunami. L'Indien... T'es pas en train de spoiler? Non, c'est le tout début du premier tome. L'Indien des crues d'eau, enfin des... Bref, c'est la période de la mousson, bref. Et il pleut trop, et du coup il y a des inondations partout. Et l'Américain, ben je sais plus l'Américain, des tornades peut-être bien. Ou des... Bref, on s'en fout. Et du coup, bah ils vont être amenés à être séparés de leurs parents et à devoir survivre, et du coup c'est du post-apo, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai beaucoup aimé cette série, évidemment je l'ai lu suite aux recommandations de... Pikiti. Oui, bien joué, la foule en délire. Bref, du coup, bah voilà, je l'ai acheté. J'ai beaucoup aimé le premier. Le deuxième, le voilà. Et je crois que c'est une trilogie. Donc j'ai hâte de me le lire et de lire le suivant. Et voilà. J'ai acheté les tomes 3, 4, 5 de Rebecca Kim. Donc j'avais déjà acheté le... Bah toi, tu m'as offert le 1. Et le 2, ouais, en toute logique. Ouais. Ta gueule. Toi, tu m'avais offert le... Je suis tellement violente avec toi. Je m'en fous tellement, tu sais. Donc tu m'as offert le 1 pour mes... 18 years. Ah. J'ai dû chercher. Comment on dit 8? Ça pue le cul. Ouais, un peu, ouais. Enfin. Et donc, tu m'as offert le 1 et moi, j'ai acheté le 2 pendant le confinement. Puis, deux semaines après, j'ai acheté 3, 4 et 5. Mais il y en a encore plus. T'inquiète pas, il n'allait pas tomber sur toi, Kémy. Et donc, il y en a encore plus. Ça ne s'arrête pas au 5. Mais je me suis arrêtée là pour le moment. Il y en a quand même 3 à lire. Ça va. Donc, Rebecca Keane, donc les tomes Potions Macabres. Ancestrale, je suppose que ça parlera d'ancêtres. Et l'armée des âmes, ça par contre ça a l'air de parler de guerre. Donc c'est de Cassandra O'Donnell aux éditions. J'ai lu, donc en semi-poche comme je les aime. C'est, comment dire pour l'histoire, c'est une nana qui se cache avec sa fille depuis un bail, depuis des années. Et c'est déjà stylé parce que combien d'héroïnes de Beat Lit vous connaissez qui ont des filles, ou des enfants je veux dire en général. Et elle l'a eu à 16 ans. Et c'est pas du tout le truc principal, le fait qu'elle ait eu une gosse à 16 ans. C'est juste, bah, elle a une fille qui a 11 ans, genre. Elle doit avoir 27 ans. Bien! Je sais, j'ai calculé 16 plus 11. Oh là là, quelle pro des maths. À défaut d'être une pro de l'anglais. Ah. J'ai eu 18 de moyenne au premier semestre. Bah parce que t'as mis du temps à dire 18 il y a 2 minutes. Et alors? Alors, et donc, ouais, c'est une sorcière. Elle cache que c'est une sorcière d'un clan très, très fermé, qui sont les plus destructrices, etc. Qui, on les apprend à tuer, etc. Qu'est-ce que tu fais? On les apprend à tuer, etc. On est insupportable. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. En fait, on s'est vu plusieurs fois, mais dans le cadre familial. Avec son copain. Avec mon copain, avec mes parents, enfin nos parents. Il paraît que c'est les mêmes. Oui, il paraît que c'est les mêmes, ouais. Il paraît. Une rumeur comme ça. On n'a pas eu de preuve, hein. Jamais. Rebecca, qui est avec sa fille. Oui, mais là, je voulais dire qui. Qui se cache avec sa fille. Sa fille qui est moitié vampire, moitié sorcière. Personne n'est au courant, même pas sa meilleure amie qui est une louve. Elle lui dit pas que sa fille est du coup moitié vampire, parce que normalement les vampires ne peuvent pas se reproduire, parce qu'on sait tous que ça arrive tout le temps. Ouais, hein, on connaît tous Twilight. Ouais, de ouf. Et par contre ça, il y en a plein qui le savent pas parce qu'ils sont pas allés jusque là, donc Ouais, non, mais s'ils sont pas allés, je suis désolée si je vous ai spoilé Twilight, mais il y a un moment, il y a prescription, quoi. Mais merde. Tu sais que Lilian, je me suis retenue jusqu'au bout pour pas le dire, et du coup il savait pas jusque dans le 4. Oui, mais il aurait été spoilé, il s'en serait remis.
Oui, bah oui, il voulait que je lui dise, mais moi je veux jamais lui dire, je veux jamais le spoiler. Lui me demande toujours. Bon, alors du coup, ça va se passer quand? Bella va être transformée quand? Mais elle ne sera pas transformée. Transformée, Bella? Non. Elle va juste mourir. Oui. Donc, il y a des vampires, des démons. Des loups-garous, des sorcières, oui, oui, ça on a. Les démons, ça on en a pas beaucoup, par contre, je trouve, dans les romans. En tout cas, moi, j'ai pas lu beaucoup de romans avec des démons. Tu sais qu'il y a une saga spin-off. De ça? Oui. Ah ouais? Après, il paraît qu'on suit sa fille, je crois. Ah ouais? Ah ouais? Ah, je crois que tu me l'as déjà dit. Ouais. D'accord. J'aime bien sa fille, je vais les lire. Donc, et puis j'adore les livres que j'ai lus, je trouve ça trop bien comme ça, les semi-poches, j'ai lu, genre à chaque fois j'adore. Et donc, il y a aussi des métamorphes et d'autres choses comme ça, bref. Donc c'est vraiment bitlit bitlit avec plein d'espèces. Et donc bref, Rebecca qui va se retrouver à Saïm provisoire, donc c'est celle qui doit faire la justice entre les clans, elle doit être impartiale et elle doit ramener la justice. Donc c'est du policier parce qu'il y a une enquête. Parce qu'il y a des enlèvements, etc., et elle doit retrouver. Et donc, c'est multi-espèces, un peu de romance, un peu de policier, un peu de tout. Et c'est trop bien. J'ai aussi acheté cette petite pavasse qui est plutôt mignonne. Bord de terre, qui est trop belle. Alors, déjà, non, mais l'objet, je sais que vous l'avez vu partout sur Booktube en ce moment. Ça me fait penser à Never, je sais plus quoi, ou Nether Moon, un truc comme ça là. Oui, mais non, c'est pas vraiment le même. Moi, je trouve ça y ressemble. C'est un truc d'enfant, non? C'est rangé oui, dans les enfants. Oui, mais c'est pas le même style. Donc, Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane de la collection Exprime, n'est-ce pas? Ici, je connais un peu le synopsis, mais pas grand-chose, parce que j'aime bien oublier les synopsis. On va suivre deux jeunes qui sont frères et sœurs. Je crois que le grand frère est autiste, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, mais c'est pas l'intérêt principal. Ils sont en train de promener leur chien va se barrer, ils vont vouloir le rattraper, sauf qu'ils vont basculer dans un autre monde, je crois, un truc du genre. Voilà. Comme Alice dans le terrier. Un peu. Et il y a une histoire de gens qui sont à moitié transparents. Enfin bref, je me rappelle, j'ai des vagues souvenirs. Un peu comme on a des souvenirs d'un rêve, vous voyez le truc. Genre j'ai des vagues trucs et je comprends pas pourquoi ils sont reliés, mais je m'en fous, je veux les oublier. Déjà, l'autre jour, sans faire exprès, je me suis rappelé que le grand frère était autiste. En fait, en lisant un bout de la quatrième, je ne m'en rappelais pas non plus. Bref, donc j'en sais pas grand chose. C'est juste que les gens qui en ont parlé sur Booktube ces derniers temps l'ont adoré. Genre gros coup de cœur massif. L'ont parfois vite fait comparé à des séries du type La Passe Miroir, vite fait je crois, il me semble, je suis même pas sûre. Du coup ça me tente très très fort beaucoup et je pense le lire dans pas si longtemps que ça, mais je vais vous dire ça pour tous les bouquins parce qu'ils me font forcément tous envie parce que c'est mes derniers achats. Voilà, et je crois que c'est français et ça forcément c'est un bon point. J'ai ensuite acheté le dernier tome de Twilight. Révélation, donc de Stéphanie. Ah oui, ça c'est une révélation, ah oui. Stéphanie Meyer aux éditions... Achète dans la collection. Achète Black Moon. Bah non, ça n'existe plus Black Moon. Black Moon. Ok, c'est Black Moon. tu sais, c'est moi qui les avais à l'origine, je les ai lus à l'époque. Mais ça n'existe plus maintenant. Oui, je sais que maintenant c'est fini. Mais... Donc voilà, donc c'est chez Hachette. D'ailleurs, il y a le nouveau livre qui sort en août. Ça n'a pas de lien de base. Midnight Sun, donc du point de vue d'Edouard. Oui. Voilà. Je sais pas si c'est que le premier tome ou si ça... C'est que le premier tome. Putain, elle va sortir toute la saga du premier. Non, mais normalement c'est que le premier tome, il me semble. Ok. Vu de toute façon... Ah non, on n'a pas son point de vue là, c'est Jacob. Bref, donc... bon, Twilight, vous connaissez tous, pas besoin de vous faire le synopsis. J'ai enfin acheté le tome 4. De toute façon, je vous ferai un synopsis parce que je vais sortir prochainement une vidéo saga Twilight. Que soit elle est déjà sortie, donc je vous invite à la regarder maintenant, soit... Maintenant, là, là, là. Quand même pas. C'est déjà trop tard. Après cette vidéo. Non, trop tard, c'est trop tard. Ou alors que je vous invite à surveiller parce qu'elle va bientôt arriver. Petit aparté, parce que je l'ai dit, mais c'était pas très clair. De base, elle a décidé de lire les Twilight avant cette histoire de Midnight Sun. Et après, quand on l'a vu, on était en mode... C'est un signe. Ça fait genre depuis 2007 que ça doit être sorti. Et pile quand je décide de lire les Twilight pour la première fois, parce que du coup, ils passent à la télé, je me dis, tiens, je les ai jamais lus. J'étais à fond dedans. Tiens, on va les lire. Parce qu'en plus, je savais qu'elle les avait. Et du coup, bah, là, il y a eu le Midnight Sun, j'étais en mode... Oh. C'est un signe du destin. Donc, moi, je vous présente Akata Witch de Neddy Okorafor aux éditions. Je sais pas ce que c'est comme édition. Bah, faut enlever le truc, Clémentine. M. Medium. L'école des loisirs dans la collection Medium Plus. Medium Plus. Medium. Eh, il est mignon, hein. De quoi? Le bus? Oui, monte de proche, le livre, il est beau. Non, mais le livre est trop beau. Je vais pas retirer à nouveau la petite machin. Ou alors j'ai... Mais le livre est magnifique, hein, si vous l'avez pas déjà vu, il est trop beau. Bref.
Donc, je disais aux éditions École des Loisirs, la collection Medium Plus, hein, je vais m'en sortir. Ce livre-là, je me rappelle juste que c'est une nana qui est nigériane, mais albinos. Alors, ah oui, ça doit pas être facile à vivre. Et ça s'appelle Akata Witch, donc je suppose qu'il y a un minimum de fantastique, mais je sais plus dans quelle mesure. Voilà, c'est juste que ça me tente beaucoup, qu'il ait beaucoup passé sur les chaînes, notamment celle de Pikiti. Voilà, merci. On voit qui est sa booktubeuse préférée, en fait. Voilà, c'est pas compliqué avec moi. Bref, du coup, ça m'a beaucoup tenté. Et voilà. Et le bouquin étant tellement magnifique, c'est impossible de résister quand il vous tente déjà de base pour son histoire. Et donc ensuite, nous avons acheté toutes les deux Hunger Games. Là. Regardez, le mien, il est là. Il est transparent. Non mais là en fait, il y a les deux livres l'un derrière l'autre en fait, on vous montre pas. Donc c'est La Balade du Serpent et De l'Oiseau Chanteur. Donc c'est toujours Suzanne Collins, édition PKJ. Ça a mis du temps à sortir. Mais j'étais pas sûre, du coup je t'ai regardé après. Donc c'est le quatrième tome d'Hunger Games. Non, c'est le préquel. C'est le préquel d'Hunger Games. Quand le souffle des mots, elle a mis ça dans son update, j'ai lu. Elle a écrit dans le titre, elle a mis HG4, j'étais en mode non, c'est pas le 4, c'est un préquel, c'est pas pareil. Ouais, bon, c'est parallèle à Hunger Games avec Katniss, etc. Donc bah non, là, c'est pas pareil non plus. Pff, ta gueule. On suit Snow qui 60 ans avant, donc c'est le président 60 ans après. Là, on suit sa jeunesse. Et voilà. Donc il est pas encore président. De toute façon, vous connaissez tous Hunger Games, donc. Je pense, oui. Ça devrait aller. Puis vous avez intérêt vraiment à tous connaître Hunger Games. Que vous ayez lu, pas lu, vu le film, pas vu le film, enfin les films, vous connaissez. Il y a des bases à connaître, les gars. Quand même. Là, c'est comme si vous me dites Harry Potter, c'est quoi? Qu'est-ce donc? Je me suis aussi acheté cette beauté. Pour mille et un reflets. Quelle beauté! C'est une beauté. Bref, donc Dance of Thieves de Mary E. Pearson. Je mets l'accent anglais que quand j'ai envie, en fait. Ça n'a aucun sens. Chez la Martinière Jeunesse. Que sais-je de cette histoire? Je sais que c'est une saga spin-off de. Je vois parfaitement la couverture, mais j'ai pas le titre en tête. Mais bref, qui n'est pas sorti en France de toute façon, donc ça vous avance pas des masses. Et c'est en gros des romances dans des univers de fantasy. L'un comme l'autre, je crois. Et là, je ne sais rien du synopsis, et je ne veux pas savoir. Les seules choses que je sais... Non, mais là, c'est vraiment... J'ai jamais su le synopsis. C'est-à-dire que ce que je sais, c'est que c'est énormément comparé à Akota. Ah oui. Ça me suffit! Ça me suffit, les gars! Donc un palais d'épines et de roses. Voilà, un palais, oui, exactement, merci madame, je t'en prie. De Sarah Dimas, notre reine à tous. Anyway, bref, tout ça pour dire que du coup, la comparaison étant été faite, c'est dans la même maison d'édition du coup, c'est logique, on va dire. Et que du coup, je suis prévenue, c'est une romance dans un univers de fantasy, plus que de la fantasy à l'état pur. Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir aussi. Par contre, dernier élément que vous avez besoin de savoir, il coûte un bras, 22 balles. Aïe, et il fait combien de pages? Je sais pas. Un peu moins de 600 pages. Ouais. Mais ça vaut pas 22 balles quand même. Hein. Ensuite, j'ai lu... Enfin non, j'ai pas lu, j'ai acheté. j'ai pas lu du tout. C'est tellement longtemps qu'on a pas fait de book haul que c'est plus que j'ai acheté. Donc c'est une série parallèle. Je peux dire parallèle cette fois? Oui. À Percy Jackson, donc de Rick Riordan, aux éditions Le Livre de Poche. Toi, tu les avais chez Bayard, non? Non. Je sais plus chez quoi c'était. Je ne sais pas. En tout cas, c'était des grands formats. Et là, j'ai acheté le poche. Enfin, ma mère m'a acheté. Et donc, c'est le héros perdu de la série Héros de l'Olympe. Donc, c'est tout dans le monde de mythologie où il y a des demi-dieux, clairement, qui sont moitié humains, donc moitié dieux grecs, genre Zeus, etc. Et j'adore parce que j'aime trop la mythologie. Et Percy Jackson, ça t'en fait apprendre, mais tellement, genre en cours de mythes. Et littérature, parce que j'ai mis la littérature cette année. C'est stylé. Ouf. Donc j'ai su pas mal de choses grâce à Percy Jackson quand même. Je crois que je le savais déjà, hein, la plupart des trucs qu'il disait dans Percy Jackson. Mais j'étais plus vieille que toi quand je les ai lus. Ouais. Donc c'est logique. Moi je les ai lus en 6ème. Oui, et puis je rappelle quand même que j'ai fait latin. Oui aussi. Donc ça aide. Mm. Plus le fait que moi, comme je les ai lus après, et je crois que c'est en 5ème au programme, tout ce qui est mythologie gréco-romaine, oui. Bah, c'est logique que j'en savais plus. Oui, oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère que je vais bientôt me lancer dans cette saga, parce que j'avais adoré Percy Jackson, c'est plutôt enfance, mais c'est vachement intéressant. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de vous présenter cette série sur notre chaîne? Je suis pas sûre. Mais pense qu'avec moi, vous connaissez. C'est ça. Donc, troisième tome de Gardien des Cités Perdues, Le Grand Brasier.
aux éditions PKJ ici, même si normalement c'est dans aux éditions Lumen, parce que là moi je l'ai en poche, oui. Et que je les achète en poche au fur et à mesure, n'est-ce pas? Est-ce qu'on en voit un pas loin? Parce que là il y en a derrière. Oui, il y en a trois derrière moi. Et après ils sont en dessous. Ah, il y en a un tout là-bas en rouge, c'est le premier. C'est le grand brasier, c'est le même, voilà. Bah, c'est pas le premier du coup. Non, mais le premier là-bas. D'accord. La rangée. D'accord. Donc c'est le tome 3, donc évidemment je vais vous parler du premier tome, pas du troisième tome. Je vais faire rapide parce que je pense que ces derniers temps vous les avez tellement vus que vous en avez ras-le-bol. Et nous on vous envoie voir ma saga, parce que du coup je parle de tous les tomes qui sont sortis. Donc, on suit Sophie qui est une jeune humaine, lol, qui est très en avance pour son âge, parce que genre elle a 12 ans en terminale, truc du genre. Et lors d'une sortie au musée, elle va rencontrer un gars qui va lui faire « Hé, t'arrives pas à lire dans mes pensées, c'est normal !» Enfin, c'est bizarre, parce que tu devrais pas lire dans les pensées, mais en même temps c'est normal, parce que t'es une elfe, donc voilà. Et moi t'arrives pas à lire dans mes pensées, ce qui est bizarre, parce que normalement tu pourrais aussi. Mais bref, t'es une elfe. Elle est en mode « Que... ouais ?» Eh viens, suis-moi. Ben j'ai envie de te suivre parce que j'ai envie de savoir, et en même temps, je ne te connais pas. Puis qu'est-ce que t'es beau, bon Dieu, j'ai envie de te suivre jusqu'au bout de la nuit. Voilà, bref, c'est un synopsis très alambiqué de notre part. Mais comme vous l'avez eu 15 fois de manière normale, vous avez très bien compris. Bref, du coup j'ai lu le tome 2 il y a un mois, je dirais. Pendant le confinement. Ouais, mais le confinement c'est large maintenant. Et du coup, bah, je me suis dit qu'on va enchaîner, on est sur une bonne lancée. Laurine adore quand je les lis parce que je lui envoie toutes mes théories merdiques. Oh, elle m'envoie des vocaux, j'adore. Parce que du coup, elle a relu le premier. Discord. Aparté Discord, les gars. Oh, faut qu'on vous parle de ça. On a créé un Discord. En fait, j'ai eu la brillante idée sous la douche, parce que c'est toujours là qu'on a les bonnes idées. Vous le savez tous. Où j'étais en mode, mais les lectures communes, c'est bien, c'est mignon. Mais il faut qu'on soit synchro, il faut qu'on se donne rendez-vous pour en discuter, ce qui est un peu naze. Et en parallèle, je me suis dit, attends, mais avec Laurine, régulièrement, on s'envoie des vocaux pour parler de trucs spoilants dans les livres, et qu'est-ce qu'on se bidonne ? Et il faut encore déjà qu'on ait un livre en commun, mais bon. Oui, donc ça arrive pas très souvent non plus, mais ça arrive. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, pourquoi on partage pas ça avec les gens ? C'est dommage qu'ils aient pas ce genre de conneries avec eux, sachant qu'ils adorent nos bêtises. Bref, du coup, j'ai eu l'idée de créer un Discord, qui est donc... dans la barre d'infos, voilà, il sera dans toutes nos barres d'infos à partir de maintenant, même si on n'en parle pas. Et en gros, sur le Discord, vous allez avoir une discussion par bouquin assez plébiscité, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, et vous aurez des spoilers dedans. Donc évidemment, ils seront masqués, vous ne vous auto-spoilerez pas si vous ne cliquez pas dessus. Et bref, donc tout le fonctionnement est expliqué dans des stories à la une sur notre Instagram, comme ça vous allez voir tous nos réseaux sociaux en même temps. Et donc notre Instagram est aussi dans la barre d'infos. Et évidemment. Bref, et du coup, à mon avis, ce tome 3, je vais bien balancer dessus quand je le lirai, il va aller dans le Discord. Bien, oui, avec toutes ces hypothèses qui sont graves drôles. C'est ça. Sachant que actuellement dans le Discord, il y a juste, si on peut dire juste, le préquel d'Hunger Games que vous avez vu tout à l'heure. Avec à chaque fois nos avis par page, etc., où on rebondit l'une l'autre, parce qu'on n'est que toutes les deux à l'avoir lu sur les gens qui sont dans notre Discord pour le moment. Et donc voilà. On est 5 en fait, 6 hein. 5 Bon, c'est ce que je crois. Mais c'est déjà ça, hein. Ah, c'est déjà ça, hein, on est content. Bref. Mais après, plus on est de fous, moins il y a de riz, comme dit mon père. Tout ça pour dire que du coup, celui-là, il va rentrer dedans probablement. Et quand on va se refaire la relecture de La Peste Miroir, ça rentrera dedans aussi, chacun des tomes. Donc il y a quand même des beaux projets de Discord communs. Voilà. Ensuite, le dernier tome de La Peste Miroir. Donc. Ah bah, on vient d'en parler. De Christelle Davos, c'est La Tempête des Échos, donc on l'a acheté toutes les deux pareil il y a un moment, mais je le présente parce que j'ai pas beaucoup de livres à présenter ici. Donc, elle grappille. Voilà, je grappille livre par livre. Donc La Peste Miroir, on vous en a déjà parlé 25 milliards de fois, on vous fera certainement soit vidéo update commun, soit une vidéo saga dessus. On vous en parlera aussi sur Discord quand on le lira, parce qu'on fera une lecture un peu voilà, ensemble sur Discord. Et donc on a lancé aussi sur Discord, si vous voulez relire les premiers La Peste Miroir, si vous voulez lire le quatrième, on peut le faire tous ensemble en même temps, donc sur le Discord où on est déjà plusieurs à vouloir les relire en même temps. Donc si vous voulez être plus, donc on sera plus de deux. Si vous voulez être parmi nous, vous pouvez par exemple nous rejoindre sur le Discord pour La Peste Miroir. Pour le synopsis, je sais pas trop quoi dire, c'est dans un monde de fantasy donc qui n'existe pas. Pour moi, c'est pas de la fantasy, c'est de la science-fiction. Parce que c'est la planète qui a explosé, il me semble, dans les arches. Ah, ouais, peut-être. Mais ça ressemble plus à de la fantasy que ouais, de la science-fiction. Ça ressemble plus à de la fantasy. Donc c'est Ophélie qui lit le passé des objets quand elle les touche. Qui doit se marier avec un mec super rigide, etc. Et donc elle
bouscule toute sa vie pour aller vers là où il habite, etc. Moi, j'aime bien le décrire comme une armoire à glace, parce que c'est vraiment ce qu'il est, en fait. Une armoire. Donc, et dans l'expression, c'est-à-dire qu'il est, mastoc, et dans la réalité, c'est-à-dire que le gars, il est bâti comme une armoire, et il est extrêmement froid. Donc, c'est ma meilleure expression pour le décrire, c'est une armoire à glace. Et donc, elle doit quitter toute sa vie pour le rejoindre là où il habite, donc c'est une sorte d'autre île, on va dire. C'était des sortes d'arches, enfin voilà, et donc elle découvre plein de pouvoirs, plein de mondes dangereux, de des gens pas sympas, voilà, de supériorité, de hiérarchie, etc. Donc c'est un monde qui s'ouvre à toi avec énormément de choses dedans, et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Si, moi je sais quoi dire de plus, ce tome 4 nous fait très peur à toutes les deux, on en a parlé hier au téléphone, il nous fait très peur, surtout quand on voit les avis généraux des gens, donc je connais pas les avis dans le détail, mais personne n'est vraiment satisfait. Puis déjà le troisième nous avait moins plu que les deux premiers, donc non, toi, moi ça m'a pas moins plu. Toi il t'a pas moins plu le troisième tome? Je croyais qu'on était d'accord. Non. Moi le troisième tome m'a un peu moins plu quand même. Moi ce qui m'avait moins plu, si vous voulez, c'est que j'avais pas le reste en tête, alors du coup comme t'arrives en mode... Ah non, mais si je l'avais. J'avais un peu l'impression d'avoir lu les synopsis des tomes 1 et 2 et de lire le tome 3 direct. Ok, du coup voilà, bah on essaiera de les lire bientôt, et si vous voulez nous rejoindre, voilà. Vous êtes invités. Disons que c'est fabuleux comme Laurine est accordée avec les livres. Je t'ai pas dit qu'en fait c'était moi là. Ah, c'est pour ça qu'elle s'est retouchée, parce que vraiment elle te ressemble pas. Hein. C'est un fail. Bref, donc il s'agit de la fiancée de Kirakas, évidemment, dans la collection R de chez Robert Laffin. Donc Kirakas, la sélection. Bah en fait je pense que quand ils ont vu la couverture, même si même s'ils si savaient pas, s'ils connaissent la sélection, ils ont compris. Donc ça n'a aucun rapport, mais c'est encore une histoire de royauté. Je crois que c'est la meuf qui rêve d'intéresser le roi, et au final elle l'intéresse, sauf que au dernier moment elle rencontre un autre gars qui l'a fait bien kiffer, du coup elle est en mode je sais pas à laquelle me diriger. Alors ouais, mais il n'y a pas les triangles amoureux normalement, mais là c'est du Kirakas, c'est de la royauté, donc c'est le moment où je sors mon côté princesse cucu, parce que normalement j'aime pas les trucs cucu, j'aime pas non plus les trucs de princesse, j'aime pas les triangles amoureux, mais alors Kirakas, princesse cucu est sortie, voilà, moi je signe tout de suite. Maxon. C'est ça, j'ai des marque-pages America et Maxon, si vous êtes abonné à notre Instagram depuis un certain temps. Enfin, un certain temps. Oui et non, ça dépend quand on sort la vidéo. Vous les avez brièvement vus dans une story il y a pas longtemps. Du coup, j'ai très hâte de lire aussi, mais comme tous les autres bouquins, vous le savez. Donc ensuite, je vous en parle vite fait, mais j'ai acheté un livre pour améliorer mon expression, mon vocabulaire français, etc. Donc c'est Vocabulaire et expression écrite et orale, cahier de français seconde première, mais bon, je suis dans un niveau, je vais en deuxième année de licence, et c'est ma prof qui me l'a conseillé, donc c'est que ça sert de toute façon, ce sont les bases, mais pas que, donc c'est quand même bien. Pour écrire des dissertations, etc. par exemple. Donc c'est Programme 2019, c'est chez Bordas Éditeur, et donc j'avais les auteurs, parce que je les ai donnés pour prendre ce livre, mais là je les retrouve pas. Donc ouais, chez Bordas, ça coûte 7,95€, donc ça va. C'est un petit magazine, il y a des exercices, des leçons de français, donc voilà. Donc il y a plusieurs thèmes, on va dire. Analyser les composantes du texte argumentatif, exprimer l'amour, le rejet, le dégoût, la tristesse, voilà. Donc on voit plein de choses, et c'est pas que du seconde première, c'est pour avant et après. Et un autre bouquin sur lequel on devrait passer plutôt rapidement, parce qu'en fait je l'ai déjà lu il y a genre au moins 10 ans, je pense. Ça fait longtemps, et vous le savez. Et en fait le truc c'est que je les avais pas, ils étaient à mon frère, donc il faut que je les rachète au fur et à mesure, mais ça ne me dérange pas surtout vu l'édition. Donc il s'agit d'Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard, du coup. Shiny, et c'est encore comme amour. Je me suis fait un mini orgasme l'autre fois en feuilletant, parce qu'il y a toutes les pages qui ont craqué, c'était jouitif. Bref. Donc, je les rachète parce que, comme je le disais, c'est mon frère qui les possédait. Sauf que maintenant que j'ai acheté la nouvelle là qu'ils ont sortie, bah, j'allais pas juste avoir la nouvelle, n'est-ce pas? Et étant donné que ça fait partie de mes sagas préférées de tous les temps, je pouvais pas ne pas la posséder. Donc, je vais les acheter au fur et à mesure dans la version shiny, pour aller avec la nouvelle qui elle aussi elle est pas shiny en fait, la boucle est bouclée. Pour le synopsis je vous fais vite fait parce que pour le coup c'est moins connu que d'autres sagas et on en a pas trop parlé récemment. En gros c'est un gars un peu paysan, genre beaucoup paysan en fait, un paysan, qui vit chez son oncle et son cousin parce qu'il est orphelin, et il va lors d'une partie de chasse découvrir un gros caillou, un gros œuf,
Enfin, je sais plus pourquoi il le prend au début, mais bref, c'est un œuf de dragon, d'où va naître Saphira, sa future dragonne. Ouh. Et je vais pas vous en dire plus, parce que c'est trop bien. C'est donc de la fantasy. Il y a 4 tomes qui sont énormes, même si, franchement, là, ça se voit pas. Ouais. Ou peut-être que le premier tome était moins épais que les autres. Non, il fait 700 pages, il est pas moins épais que les autres. Bref, c'est une série excellente qui fait partie des grands classiques de fantasy, qui est très appréciée, qui est, je crois, rangée en young adult. Mais ça oscille entre le young adult et l'adulte pour moi. Parce peut-être que, qu'un jour je les lirai, hein, je pense. C'est difficile à scoltiner. Mais j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. On avait dit rapide. Non mais j'y crois pas à ce que tu les dises. Bon, c'en est fini pour cette vidéo. Oh, ouais. Just Hands. Donc c'en est fini pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous du coup si vous voulez qu'on reprenne les book hauls, mais on est bien parti pour, mais dites-nous vraiment si ça vous plaît. Et surtout dites-nous si ça vous gêne ou pas qu'on parle de bouquins dont on va bientôt parler ou dont on a déjà parlé il y a pas longtemps dans en un update. Update, ouais. En fait, si vous voulez les voir ou pas les voir, parce que du coup comme vous les avez vus en update, vous êtes, étant donné qu'on va pas à la bibliothèque, vous savez bien qu'on les a achetés. C'est pas bête. Sinon, vraiment, essayez d'aller sur notre Discord, ça nous ferait vraiment plaisir. C'est pour échanger, pour parler de spoilers qu'on peut pas donner ici, donc c'est vachement intéressant. Et vous avez un moyen de ne pas les voir ou les voir en cliquant par rapport à la page. Donc ce qui est bien, vous n'êtes pas obligé d'être spoilé. Et même au milieu du bouquin, vous pouvez regarder certains spoils et pas tous. Voilà. Et théories, parce qu'on met pas que des spoils en fait. On met des théories, on met tout ce qui nous passe par la tête. Et on met le numéro de la page pour que ceux qui sont avant ne regardent pas pour pas se spoiler. Okay. Et d'ailleurs, on fait pas que parler de spoil, on discute aussi de trucs très random qui n'ont pas de lien avec des livres en particulier. On a une discussion où on discute tous ensemble. Laissez un pouce en l'air et un petit commentaire. Et puis on vous souhaite de joyeuses lectures.